Parce qu'ils vont me coûter, ils me coûtent agent d'entretien, 147$ quand même. Alors, publicité. Je peux relancer une pub. Ah non, mais déjà lancé la campagne, bon, on va la laisser. 4500 visiteurs pour me manger. Ce qui est vraiment pas mal. Je vais pouvoir investir dans un nouveau. Ouais, on va faire un nouvel enclos. Alors, en enclos. La toundra, on peut mettre des tigres et des ours. La savane. Prairie. Ah, je mettrais bien des ours. Des petits ours. Allez, on va mettre des ours. Petite montagne. On va essayer de la caler par là, la petite montagne. Pourquoi elle rentre pas par là? Ah, elle touche. Elle rentre pas comme ça, non, je touche. On va mettre les ours à côté des soigneurs. Voilà. Donc, on a dit des ours. Animaux. Adopter un nouvel animal. Les ours, ils sont là. Oh, des grizzlies, ça claque un grizzly. Allez, une femelle, on va mettre. Non, c'est un mâle. On va mettre un mâle. Et on va mettre une femelle. Il faudra aussi que je fasse un centre de reproduction. Ça permettra qu'ils se, bah, qu'ils se reproduisent. Comme ça, ça me fait des petits qui attirent beaucoup de monde. J'ai pas besoin de les acheter parce que les prix sont. Et les jeunes, les petits animaux, ils sont hors de prix, quoi. C'est. Peut-être même reconstruire des petits enclos. Parce que les petits enclos, c'est joli. Alors, les ours, on va peut-être leur mettre des objets. Hein. Alors, on va construire un truc pour qu'ils aient à manger. Les laver, c'est pas la peine, c'est les soigneurs qui s'en occuperont. Objet de bien-être. Alors, qu'est-ce qui fait plaisir aux ours? Construire. Non, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune station de lavage dans l'enclos petite montagne 1. Ah oui, la petite montagne, bah c'est normal, je suis en train de le faire. Les éléphants. Ah, les grattoirs, c'est pour les ours. Antilope, oh bah ça, on s'en fout. Les tables. Les toboggans. On va mettre un toboggan. Un toboggan pente aztèque. Ah, ça pourrait être cool. Allez, 9 secondes, on va attendre que ça se finisse. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah! Voilà. Et on va leur mettre. Ils ont à manger, ils ont de quoi s'amuser. On va leur mettre un truc. Parce qu'interaction, je crois qu'il n'y a rien d'interaction avec les ours. Ah si, le jet d'eau. Ouais, mais le jet d'eau, ils vont me bouffer les ours. Si je les asperge, ils vont s'énerver après. Quelle idée de con. Allez, soin des animaux. On va leur mettre une petite douche pour qu'ils puissent se laver. On va l'améliorer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans les notifications? Votre campagne publicitaire a pris fin. D'accord. Niveau de l'agent d'entretien. Un magazine animalier à la recherche d'une photo de l'éléphant indien. Ah, faut que je prenne une photo d'éléphant indien. C'est vrai que j'ai fait venir des éléphants, mais je ne les ai pas pris en photo. Je les ai mis où, mes éléphants? Ils sont là. Voilà. Eux, ils sont contents. Et une enquête menée auprès des visiteurs indique que votre zoo est sale et a besoin d'un bon nettoyage. Essayez d'en faire passer l'un de vos agents d'entretien au niveau 3 pour travailler plus efficacement. Bon. Et ben, on va aller le former alors. Ça va aller vite. Niveau 3. Alors, personnel. Il est niveau 2. On va le former jusqu'au niveau 3. Voilà. Bonus besoin propreté 10%. Mon zoo sera un peu plus propre. Ah, je suis pas mauvais dans la gestion. Hein. On va mettre un coup de panneau publicitaire. Elle est très intense.
voilà. Ça fera venir plus de monde. Que détail. Ah, les soigneurs me coûtent cher. Les toilettes. Enfin, tout ce qui est bâtiment, ça me coûte une blinde. Capacité diversité des animaux. J'ai pas encore assez d'animaux selon eux. Eh bah, dis donc. Donc là, j'ai des ours. Ils ont faim, mais ils ont un truc à manger, là. Où est-ce qu'ils ont faim? Pourquoi est-ce qu'ils ont faim? Ils ont à manger? Attends, j'ai mis quoi à manger, là? Bah non, c'est de la viande, ça mange de la viande, des ours. Utilisable par lion, tigre, ours. Ouais, ça marche. C'est omnivore, un ours, il devrait les manger. Ils sont où d'ailleurs mes ours? Ah, ils sont là. Ils se tournent autour. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Ah, peut-être acheter des petits enclos. Je mettrais bien un mini enclos, là. Allez. Ça peut mettre des serpents. On va mettre des serpents. On va faire un mini enclos à serpents. Histoire de diversifier un peu nos animaux. Et pourquoi pas... Eh, j'ai mis quoi, là? Des lions? Ouais, c'est des lions qu'il y a là-dedans. Pourquoi pas des girafes? Ça pourrait être cool, des girafes. Putain, besoin de compagnie. Bah, je vais remettre une femelle là-dedans. Adopter un animal. Un chimpanzé. On va remettre Glenda. Allez, Glenda. Voilà, ça devrait leur faire plaisir. Pareil, on va essayer de remettre un éléphant alors pour leur faire plaisir. Animaux, adopter un nouvel animal. Un éléphant. Voilà. 13 500 le bébé éléphant. Ouais, non, ouais, c'est trop cher. Quoique c'est 12 000 la femelle niveau 11. Hein. On va aller en investir dans un bébé éléphant, c'est parti. Enfin, un éléphanto, si vous préférez. Oh, je me suis ruiné pour acheter un éléphanto. Ça, ils ont intérêt à être contents avec l'éléphanto. Ouais, ça va. Ils sont contents. Bon, on va profiter pour faire quelques recherches. En bâtiment, ça me coûtera 10% de moins. C'est toujours ça de prix. Allez, c'est parti. Alors... Ça coûte une blinde quand même, toutes ces conneries. Un nouveau défi, un animal à sauver. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Un zoo... Deux... Ah ouais, mais ils ont pas fait les apostrophes. Ils ont du mal. Un zoo de Amérique du Nord possède trop de rhinocéros noirs du Sud et souffre d'un grave problème de surpopulation. Ils veulent que vous adoptiez l'un des rhinocéros noirs du Sud. Soignez cet animal et assurez-vous... D'accord. Un rhinocéros noir du Sud... Je veux bien, mais ça va dans quel type d'animaux? Dans quel type d'enclos, ça? Un rhinocéros noir... du sud. En savane. Donc, faut que je construise un enclos savane. Il faut que je construise un enclos savane. Ouais, ben on va refaire un enclos savane ici, hein. Au moins, on restera dans le thème. Puis on va lancer une recherche pour de la savane moyenne. Comme ça, on pourra en mettre quelques-uns. Ça changera. Et donc, j'avais dit que je voulais faire un mini enclos. Voilà, pour les serpents. Donc on est niveau 9 déjà. Un grattoir pelure de pin. On va mettre des serpents. J'aime bien les serpents, c'est joli. Un beau serpent. Ah, c'est des boa constrictors. Un python réticulé. Python réticulé est une espèce de python originaire d'Asie du Sud-Est. Ok. Un grand serpent.
J'aurais peut-être pas dû mettre ça. Parce que j'en ai déjà des... Attends, je crois que j'ai fait une bêtise. Ouais, c'est des rochers tropicales, j'en ai déjà plein. Ah là, c'est un arbre tropical. Là, c'est un rocher tropical. Et là, c'est un rocher tropical. Ok, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Bon, est-ce que je gagne un peu plus? Ouais. Ouais. Allez, on va mettre l'enclos savane, on a dit. Alors, savane, savane moyenne. Waouh! Elle est balèze, la savane moyenne. Alors, objet d'enclos. Rhinocéros, c'est... Ça mange des fruits, ça. Alors, animaux donnés, normalement, il va être là. Ah, c'est un bébé en plus. Un rhinocéros noir du sud, ok. Alors, ce qu'on va faire, avant d'adopter... rhinocéros noir du sud, on va lancer la recherche. Pour pouvoir lui mettre des copains dans son enclos, sinon on va s'ennuyer tout seul, le pauvre. Et pendant ce temps-là, eh ben, on va... aménager son enclos. Ouais, rhinocéros. Voilà. Objet bien-être. Ah, ils aiment bien les abris, les rhinocéros. On va mettre un abri. Abri. Non. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah bah oui, c'est que le Kinect est activé, c'est pour ça. Il m'entend parler, il doit comprendre des indications que je lui demande pas. C'est pas grave. Donc on va lui mettre un abri. Non, je dis un abri. Voilà, vu qu'il aime bien les abris. Rhinocéros, on peut faire des interactions... Ouais, on va rien mettre d'autre. Hein. Est-ce qu'une interaction c'est possible avec les rhinocéros ou pas? Ouais, bon, on va leur mettre le jet d'eau. Ce sera rigolo comme ça. Et en bien-être. On va lui mettre un truc de lavage aussi. Hein. Voilà. Ouah, des pandarous. On a toujours pas mis de girafe. J'ai dit que je mettais des girafes depuis le début, mais on a toujours pas mis de girafe. Animaux. Adopter un nouvel animal, on avait dit. Oh, je sais pas. Ouais, allez, un serpent. Ah, oh, faut que j'lance la recherche, c'est vrai. Voilà. J'ai pas pris de photo. Ah mince, j'ai pas été assez rapide. Et ils veulent voir un maquis kata niveau 15. Bah ça faudra attendre. On va mettre les serpents. Ah c'est vraiment bien, c'est une gâchette vibrante sur Xbox One. Dès que c'est fini, j'ai une petite vibration dans les gâchettes pour me prévenir que c'est fini. De toute façon les serpents c'est solitaire, on va mettre un serpent, je crois que ça suffira. Hein. Ouais, il est très bien tout seul. Alors, on va aller adopter notre rhinocéros. On va essayer de lui trouver un parent. Alors, ouais, mauvaise nouvelle, il est malade, mais ça je le sais d'avance. Combien ça vaut un rhinocéros? Je peux même pas avoir assez d'argent. Ah non, c'est un bébé. Oh là là, 6000, 9000. Oh là là, ça vaut trop cher. Moi, j'ai pas encore assez de thunes pour mettre un rhinocéros. On va économiser un peu. Hein. Pff,
Propreté. Ouais, c'est bon. C'est à peu près du bon boulot. Ils ont oublié deux poubelles. C'est pas très grave. Voilà, elle est vidée. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Et l'autre poubelle. Ah, celle-là aussi, ils n'ont pas vidé. Ah, mais non, elle est vide. Alors, divertir. Ah, ça manque de divertissement par là. On va rajouter un petit truc alors. Entretien. Tous mes enclos sont bons. Couverture des toilettes, c'est nickel. Propreté, c'est nickel. Ok. Bon, il y a juste le petit nouveau qui est pas content, mais ça, on va attendre. Bah, il a faim, bah ouais, bah il faut qu'il mange. Hein. Bah, ils sont pas venus le livrer, le nouveau chimpanzé? Il est en train de jouer dans son arbre. Ce qu'on va aller faire, c'est où j'ai mis une interaction pour arroser. Bon, là, c'est pour jouer avec. Non, les ours, j'ai dit que je voulais pas les arroser. C'est qui que j'avais arrosé? Les éléphants. C'est un truc pour les arroser quelque part, là. Allez, on va aller arroser les éléphants. Non, mais je vais faire sans Kinect, c'est bon. Allez, viens par ici. L'éléphanto, on va arroser l'éléphanto. Allez, Calvin, viens. On va s'amuser ensemble avec le G. Allez, je te mets dans les yeux. Je te nettoie les défenses. Les papatounes. Faire tes patounes. Alors, nettoie les patounes. Ah ouais, c'est cool la douche. Hein. On nettoie l'autre patoune. Et voilà, t'es tout propre. Ouais, chacun son tour. Il commence à y avoir du monde hein, dans mon zoo. Les allées sont pas pleines à déborder, mais il y a un petit peu de monde quand même. Je vais m'asseoir à un banc. Par contre, les bancs, il n'y a pas de succès ici. Personne ne vient s'asseoir au banc. Rupture de stock, mince. J'ai pas vu le défi, c'était quoi? Votre fast-food est à court de stock. Allez chercher du stock à l'entrée du zoo. Mince, je l'ai pas vu. On va le faire vite. Poussez-vous, les enfants! Vite, faut que j'aille réapprovisionner mon fast-food. Avec ma voiture tigre, à fond les ballons. Voilà. Pfiou, on a eu chaud. Ouais, l'animal va mal, bah faut attendre. Ah, une enquête a été menée auprès de vos visiteurs. Elle indique voir... Ah oui, bah un maquis niveau 15. Ça, l'entrée du zoo est là. Les maquis, on les a mis là. Ils sont niveau combien? Niveau 12 et niveau 11. Faut attendre encore un petit peu qu'ils grandissent. Hein. Parce que les niveaux, ils montent au fur et à mesure. Hein. Plus un animal est depuis longtemps dans votre zoo, et plus il monte de niveau. Le niveau max, c'est 15. Et quand vous atteignez le level 15, vous pouvez le réhabiliter dans la nature. Ce qui est le but du jeu en fin de compte, c'est de remettre les animaux dans la nature. Bon, on a déjà un bébé, on va peut-être prendre. Putain, 12 000, 15 000, mais c'est hors de prix. Il est difforme ce bébé rhinocéros ou quoi? Il a une drôle de tête. Putain, 12 160, on va attendre de les avoir. Allez, on les a.